Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en direct depuis le circuit de Spa-Francorchamps. Nous sommes aujourd'hui sous le soleil et ça risque de ne pas durer ce week-end. Vous allez comprendre pourquoi dans quelques instants avec les premières images. J'espère que vous allez bien, nous sommes avec les premières images qui nous parviennent depuis les stands. Et cette information, vous le voyez donc, 21 degrés, une condition climatique assez clémente pour le moment, même si on devrait à l'avenir avoir des gouttes de pluie dans ce week-end qui s'annonce comme un des tournants du championnat. On arrive parmi, avec Monza, les dernières courses courues en Europe avant de partir pour la tournée asiatique et ensuite la tournée américaine. Vendredi matin, c'est un public nombreux qui s'est amassé dans les tribunes tout autour des 7 km et 4 mètres de ce circuit de Spa pour admirer l'enfant du pays qui va disputer aujourd'hui l'une de ses courses peut-être les plus importantes de sa courte carrière en Formule 1. C'est sa deuxième année et il est en tête du championnat du monde. On va en parler évidemment également des écarts qui le séparent de son équipier, évidemment Fernando Alonso qu'on attendait de nouveau sur la plus haute marche du podium à l'issue du week-end hongrois. Ça a été le cas en Allemagne également, et ça a tellement été le cas qu'il a remporté d'ailleurs Stoffel Vandoorne, le driver of the day, tellement la déception était grande du côté du public belge qui avait été très nombreux à faire déjà le déplacement en Allemagne. Ici, la route a été moins longue pour les nombreux fans puisque c'est à Spa-Francorchamps pour une énième fois que l'on vient ici. L'année passée, le Belge avait manqué de chance avec un résultat plutôt moyen en dessous de ses attentes. Mais cette année, la tension est tout autre puisqu'il y a au bout de cette longue saison 2017 le titre de champion du monde. Et pour cela, eh bien, il faut marquer des points. Il est pour l'instant bien parti, tout comme son équipier, Fernando Alonso, son plus proche concurrent. Ils sont actuellement séparés de 14 unités, ce qui ne représente pas grand-chose. Je rappelle qu'une victoire, c'est 25 points en Formule 1. Donc tout peut encore basculer d'un côté comme de l'autre. Par contre, derrière, c'est vrai que Valtteri Bottas, ironie du sort, a déjà 77 points de retard. Donc ça s'annonce un peu plus compliqué pour les pilotes Mercedes. Les pilotes Mercedes qui, d'ailleurs, du côté d'Hockenheim, avaient fait un très bon week-end à la maison avec les Ferrari qui ont pu remonter. Malheureusement, Bottas a eu des soucis de moteurs qui l'ont empêché de se défendre face à Stoffel Vandoorne dans les derniers tours après une longue et belle bagarre qui vous a d'ailleurs tenu en haleine. On a donc évoqué le driver of the day en Allemagne, c'était bien sûr Stoffel Vandoorne, mais Bottas est arrivé quasiment à égalité avec le pilote belge. Ok, this lap felt good. Et vous entendez que tout se passe bien. Et finalement, à l'issue de la première séance d'essai libre de ce vendredi matin, vous avez vu, c'est Fernando Alonso qui s'est adjugé le meilleur tour. Et les pilotes ont pour la plupart évolué en pneus médium ou en pneus soft. On notera les pneus alloués pour ce week-end, les médiums, les soft et les super soft, les pneus blancs, jaunes et rouges. Vendredi après-midi, deuxième séance d'essai libre, toujours sous le soleil ici à Spa-Francorchamps. On s'attaque désormais à la gestion de la voiture et à la préparation de l'endurance et de la course avant de re-régler le bolide le samedi matin pour la qualification qui, je le rappelle, est toujours soumise au parc fermé. Ce circuit est l'un des plus longs du calendrier, on aura donc 44 tours normalement à effectuer, mais de notre côté on en fera 22 dimanche pour ce Grand Prix qui devrait normalement lui se dérouler sur le sec, même s'il y a, selon notre célèbre petit aéroport du côté de Saveloz, eh bien, des menaces de pluie en fin d'épreuve. Une gestion de pneumatique qui se fait en pneus soft pour l'équipe McLaren comme pour beaucoup de teams en ce vendredi après-midi. Et le résultat est le suivant, eh bien, tout s'est bien passé. Et des points importants dans la recherche et le développement qui vont servir à faire évoluer la voiture qui est en passe de recevoir sa cinquième et dernière évolution moteur lors de cette saison 2017. De quoi amener une vitesse de pointe et une amélioration du turbo. C'est sur cet élément que sera amené à travailler McLaren pour Monza et l'ultime évolution moteur de cette année sera pour Monza et ce sera très important puisqu'on le sait, Ferrari a refait une grande partie de son retard face à Mercedes, l'a même dépassé depuis le Grand Prix d'Allemagne et commence à revenir sur McLaren qui malgré tout sur le papier garde la meilleure voiture en ce moment. It seems obvious but okay Jeff. Alors que du côté de Vandoorne on se s'échange des banalités à la radio avec Jeff, son ingénieur, puisqu'on dit qu'il ne pleuvra plus dans cette séance. Et évidemment, le soleil est de mise pour le moment. Et dernier virage pour le Belge à domicile et le transpondeur pour terminer cette recherche. Jetons ensemble un œil maintenant au résultat de cette deuxième séance d'essai libre avec de nouveau Alonso, le plus rapide, tout comme Vettel et Sainz. Ces trois pilotes ont évolué en pneus super soft. Le plus rapide en pneus tendres, ça a été Kimi Raikkonen et Ricciardo avec les pneus
médium. Étonnant que l'on ait encore tourné avec des pneus médium à ce stade-ci. Des essais libres pour une équipe comme Red Bull. Troisième et dernière séance, cette fois-ci nous sommes le samedi matin. Vous le constatez de nouveau, il fait toujours très beau sur Spa. Et ici, eh bien, l'objectif sera de tourner le plus rapidement possible. On va donc voir beaucoup de pilotes chaussés avec les gommes les plus tendres, les plus abrasives face au tarmac. Et donc, les voitures vont atteindre les chronos les plus rapides que l'on attend d'eux ce week-end au-delà de la qualification de cet après-midi. La qualification qui, d'ailleurs, vous allez le voir, va débuter de manière assez compliquée pour une partie des pilotes puisque la pluie va venir s'instaurer sur le circuit, la pluie qui va être passagère tout au long de la journée de samedi. On a eu un petit miracle le matin, il a commencé à faire nuageux et plus énormément sur le temps de midi, alors qu'ici du côté du Speaker's Corner c'était très très chaud, on a frôlé les murets de pneus qui ont été augmentés d'ailleurs au fur et à mesure du week-end. Ils n'étaient pas là vendredi matin et les pilotes, en faisant le tour du circuit jeudi, ont expliqué qu'ils souhaitaient avoir un peu plus de pneumatique à cet endroit-là parce que ça risque, avec les nouvelles réglementations, de passer beaucoup plus fort que les années précédentes. Et les années précédentes, en 2016 notamment, il n'y avait pas de rail. Et un moment marquant de ce jeudi matin, c'est le moment où les pilotes faisaient le tour du circuit. Alors habituellement, ils le font à pied, en vélo, en trottinette ou en scooter. Eh bien, on a vu que certains se sont munis de nouveaux équipements pour mesurer carrément la température de la piste. Alors c'était quelque chose qu'on n'avait pas encore vu par le passé, mais maintenant les pilotes et les ingénieurs prennent la température de la piste même pendant le tour de repérage, ce qui est assez intriguant parce qu'on ne sait pas vraiment pourquoi ils font ça, mais en tout cas ça a l'air d'être pour travailler avec les nouveaux pneumatiques que Pirelli amènera pour la fin de saison. Thanks Jeff, but impossible for me to improve. Troisième et dernière séance d'essai, et vous le voyez, les pneus Super Soft dominent. Cinquième position, il est très loin, Stoffel Vandoorne, mais on constate aussi qu'Alonso en pneu médium n'est pas si loin que ça, donc ça nous annonce de très belles choses pour la séance qualificative de ce samedi après-midi. Les objectifs annoncés pour Vandoorne, alors que vous le voyez, dehors, parmi le paddock, on court se réfugier où l'on peut, il va faire très mauvais ce samedi. Vous constatez que pour ce début de qualification, vous ne rêvez pas, vous ne devez pas régler votre téléviseur, il fait bien un temps de chien à Spa, mais que serait un Grand Prix de Belgique sans la pluie? Finalement, on l'a eu quasiment toute l'histoire de cette épreuve. Alors pourquoi pas ce samedi après-midi? Et regardez les pilotes qui évoluent pour la première fois dans des conditions extrêmement dangereuses et humides. La piste a été déclarée humide à 12h45 pour les dernières séances de qualification de la Formule 2 et du GP3. Et finalement, eh bien, tout le monde est parti en pneus wet, les pneus à bandes bleues que vous voyez, donc les pneus avec les sculptures les plus profondes qui peuvent évacuer de 65 à 70 litres d'eau par seconde. Oui, oui, par seconde, vous ne rêvez pas, je ne me suis pas égaré dans mes fiches. Oui, oui, c'est le pneu le plus performant qui est donc de sortie pour le moment dans ces conditions de pluie, qui devrait d'ailleurs se calmer pour la Q2. Une Q2 qui devrait être intéressante parce que certains vont peut-être tenter le coup de poker de sortir avec des pneus slick ou des pneus intermédiaires. On va suivre ça avec attention. En tout cas, pour l'heure, dans cette Q1, 18 minutes pour réaliser le meilleur temps et se classer parmi les 16 premiers pour l'instant. En 2 minutes 07, c'est quasiment 10 secondes de plus que le temps sur le sec. Et bien, Sébastien Vettel s'empare du premier temps provisoire de cette Q1. Mais il risque d'y avoir pas mal de passations en haut de la feuille des temps, puisqu'au fur et à mesure des tours, la pluie étant de moins en moins forte, eh bien, les chronos vont s'améliorer. C'est généralement dans ces conditions le dernier pilote en piste qui aura le dernier mot et l'avantage. 2 secondes 6, vous voyez, on est déjà beaucoup plus rapide du côté de l'équipier du champion du monde allemand. C'est Raikkonen avec la Ferrari qui pour l'instant se hisse en haut de cette feuille des temps. Regardez la grosse dérive à la sortie du virage Paul Frère après le raccordement pour Vandoorne. Réaccélérer sur le vibreur, on le sait, ça n'est jamais bon, comme sur la peinture. Et ici à Spa, ça risque d'être l'un des points les plus techniques dans cette Q1 et Q2, éviter ces vibreurs, mais malgré tout réaliser un temps correct avec la réglementation du parc fermé, on le sait, qui oblige les pilotes à restreindre leur réglage entre la fin de la qualification, le début même de la qualification et le début de la course dimanche demain. Donc Vandoorne 2.06.4, meilleur temps pour l'instant pour le pilote belge, mais vous allez le voir à la fin de la session, ça s'est passé différemment. C'est finalement Vettel qui reprend le meilleur temps devant Alonso et Vandoorne. Et du côté des pilotes éliminés, on regrettera l'élimination des deux Renault et de la Manor de Rio Arianto qui, on le sait, sous la pluie, souffre énormément.
La Q2 avec des conditions tout aussi difficiles, quoique un petit peu moins d'eau, ce qui permet aux pilotes de chausser les gommes à bande ouverte, les intermédiaires pour sortir dans cette Q2. Et vous allez le voir, à l'attaque du Raidion, ça reste quand même très délicat. Alors on passe en 7ème ou en 8ème selon l'étalonnage de votre boîte de vitesse, mais ici vous voyez on a soulagé, on vous a laissé écouter d'ailleurs le passage du pilote belge dans le Raidion parce que c'est très délicat, on n'a pas eu de sortie de piste pour le moment dans cette Q1 et cette Q2, tous les pilotes ont pu rentrer un chrono jusque là, alors qu'ici on est au stade de la mi-séance, il reste 7 minutes 30 dans cette Q2. Et on va découvrir donc qui seront les 10 pilotes les plus véloces qui se hisseront en Q3 et donc vont pouvoir jouer les 5 premières lignes. Alors ce qui va être intéressant pour la Q3, c'est qu'on risque d'avoir une petite accalmie partielle dans cette fin de Q2, ce qui va peut-être pousser certains à déjà chausser des gommes super tendres, peut-être pour risquer d'aller chercher un meilleur chrono pour passer éventuellement en Q3. On a vu que Van Dorn, ça a glissé beaucoup dans le pouhon. 2 minutes 3, vous avez vu qu'on tourne donc 4 à 5 secondes plus vite finalement que ce qu'il y avait tout à l'heure quand il y avait beaucoup plus d'eau sur le circuit. Le drainage de ce circuit a été bien amélioré, c'est quelque chose de très primordial sur une piste technique et vallonnée comme Spa-Francorchamps, vous vous imaginez bien, même si ça n'a pas toujours été le cas, hein, avec par le passé des accidents terribles qui ont eu lieu sous la pluie. On se rappelle des éditions dans les années 60 qui avaient été extrêmement tendu avec énormément d'eau, on était encore sur l'ancien circuit et dans les années 90, comment oublier le plus gros carambolage de l'histoire impliquant 16 Formule 1, c'était à l'époque au départ un incident déclenché par David Coulthard qui est allé percuter avec sa McLaren le mur dans la descente de l'eau rouge. Miraculeusement, personne n'avait été blessé ni parmi les pilotes ni dans le public, même si certains boitaient un petit peu en allant chercher le mulet. Bref, cette page de l'histoire étant tournée, on conclut la Q2 avec un 2-0-1 pour Stoffel Vandoorne et c'est finalement lui qui aura le meilleur temps devant son coéquipier, les deux Ferrari, les deux Mercedes passent, les Toro Rosso également. On a l'élimination des deux Williams et de nouveau Max Verstappen se retrouve 13ème sur la grille. Catastrophe pour l'un des pilotes les plus soutenus aujourd'hui à Spa. Et oui, le chemin entre les Pays-Bas et la Belgique n'est pas si énorme. Il y a énormément d'orange dans les tribunes. Départ de la Q3, vous le voyez, il fait sec. Certains pilotes ont tenté les super soft puisqu'il y a une petite fenêtre, une accalmie dans la météo et on va tenter de rentrer un chrono. Mais vous l'avez vu déjà à la source, c'était énormément de glisse avec les 4 roues pour Vandoorne. On passe le Raidion quasiment pied à fond. Très impressionnant dans ces conditions de voir ces équilibristes réussir à tenir ces Formule 1. Le freinage pour le SD Combes maintenant, on est à fond de 8ème, on est à quasiment 340-350 km/h avec le DRS ouvert. On pourrait espérer demain, pour ceux qui ont les boîtes les plus longues, monter à plus de 365 km/h, puisque demain, la course devrait, je parle bien au conditionnel, se passer, en tout cas démarrer sur le sec. Attention, petit blocage de roue du côté de l'épingle de Bruxelles. Il y a une Ferrari devant qui est un petit peu également en difficulté. Certains ont déjà choisi de sortir avec les pneus intermédiaires dès maintenant. Sera-t-on informé de l'éventuel repassage de certains au box? Non, puisqu'on a un petit souci en ce moment sur l'affichage des temps. Personne n'a de chrono pour le moment, on est en tout début de Q3. On espère avoir rapidement les premiers chronos qui tombent pour avoir une estimation de ce que donnent les pneus intermédiaires face aux pneus super tendres. Personne, ouais, c'est très large du côté du pif-paf également pour Vandoorne. On n'a pas pour l'instant de pilote sorti en pneus wet, fort heureusement, parce qu'il n'y a pas assez d'eau tout simplement sur cette piste de Spa. Et c'est Bottas en 2-0-4-3 qui lui est chaussé en pneu intermédiaire, s'empare de la pole provisoire. Et Vandoorne est en retard de 5 secondes sur Bottas. Attention, il est très large et le gravier au niveau du raccordement. Oh, on a une grosse frayeur du côté de chez McLaren. Et surtout beaucoup de temps de perdu. Et je ne pense pas que l'on pourra refaire un tour avec ces pneus-là, hein. En tout cas, à part pour rentrer au box. Il y a désormais beaucoup trop d'eau. La direction devrait d'ailleurs, d'ici quelques secondes, je l'espère en tout cas pour des raisons de sécurité, bannir l'utilisation du DRS. Oui, on arrive quasiment 4 roues bloquées dans la chicane bus stop. Ça passe encore pas trop mal. Oui, on est en retard 2 secondes, 3, 4, 5 maintenant, 6 pour Vandoorne. Oui, il va tourner en 2, 10, 2, 11 là. Et le chrono 2 minutes 10. C'est le quatrième temps devant Vettel. Ceux-là sont top pneus slick et on va le voir en découvrant la grille de départ. C'est finalement Raikkonen qui sera en pole position. 4 pilotes en pneus super soft qui ont donc pu se placer devant les pilotes en intermédiaire, dont notamment la superbe quatrième place d'Ocon sur la Force India. Bien joué. Du côté de Toro Rosso, on n'a pas pris de risque. Les deux voitures sont en pneus intermédiaire.
Dimanche, jour de course à Spa-Francorchamps et on retrouve les conditions identiques à ce qu'elles étaient vendredi matin. 21 degrés, température de l'air et beaucoup de nuages. Vous le découvrez, le driver of the day avec 25,28% des suffrages et donc Stoffel Vandoorne. Juste avant d'arriver chez lui, ça a dû lui faire plaisir de découvrir cela. Et c'était très serré avec Valtteri Bottas. Vous pourrez d'ailleurs, à l'issue de ce Grand Prix de Belgique, voter également pour votre driver of the day dans la description. Pour l'heure, jetons un coup d'œil à ce circuit. Deux zones de DRS déclenchées à deux endroits différents. C'est important de le signaler, ça n'est pas toujours le cas. Et un record du tour en 1:47.263. Ça avait été réalisé par Vettel à l'époque. C'était en 2009, à une période où l'équipe Brown, qui a remporté le titre, avait énormément souffert cette période creuse en milieu de saison avec la fameuse guerre des doubles diffuseurs. Sur le bas de votre écran, vous allez découvrir les classements pilotes et constructeur, 7ème position, vous le voyez donc pour Sébastien Vettel qui fait comme Vandoorne partie de ceux qui se sont fait piéger, ce qui n'est pas le cas de Kimi Raikkonen, l'un des plus les plus prestigieux pilotes sur ce circuit de Spa. Et nous allons donc découvrir la grille de départ de ce 13e round de la saison. Donc, je le disais, Vettel loin, Raikkonen lui est en pôle. Ricardo a fait une très bonne qualification, 3e derrière Lewis Hamilton, Valtteri Bottas 6e. On a pas mal de pilotes de tête qui vont devoir remonter parmi leurs directs opposants dans les premiers tours. Les deux Williams, 11 et 12e, bien joué pour Massa et Stroll. Et bien derrière, on a les autres qui suivent, pas vraiment de surprise. Un peu déçu du côté des Haas, Magnussen 20e. Ça n'est pas la folie, les Renault qui ont également déçu, habitués à passer régulièrement en Q2, mais ça n'a pas été le cas aujourd'hui à Spa-Francorchamps. Okay, Jeff, I'll run every gears before Eau Rouge corner. Please check engine temperature, please. Check engine temperature. Okay, go through all the gears if you can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tyres and brakes. We need to keep the engine cooler, so don't go too high with the revs. Okay, copy. Et vous l'avez entendu dans le début de ce tour de formation, sous le soleil évidemment, on a des inquiétudes quant à la température moteur du côté de chez McLaren dans ce début de mise en grille, en tout cas chez Vandoorne. On a demandé de vérifier les températures puisque ça semblait peut-être un petit peu haut, alors que du côté de l'ingénieur on se plaignait que les freins et les pneus étaient bien frais, qu'il fallait donc mettre tout cela correctement en température. On jette un dernier coup d'œil à ce qui s'est passé donc vendredi et surtout samedi avec les résultats de la qualification week-end discret pour Force India, mais finalement avec les conditions changeantes, eh bien le pilote français Esteban Ocon a réussi une magnifique 4e place sur la grille, la meilleure qualification du français je pense depuis le début de cette saison 2017, à vérifier d'ailleurs s'il n'avait pas déjà effectué une 5 ou 6e place pour le compte de Force India. Perez sera un petit peu plus loin, son équipier, mais on attend les bolides roses, on l'espère, dans les points à l'issue de ce Grand Prix de Belgique. Alonso également, comme Vandoorne, eh bien, seront loin. 5 et 10e place, la plus mauvaise qualification de l'équipe McLaren depuis un bout de temps. En tout cas, si l'on combine les deux chronos des pilotes, Vandoorne était déjà parti très loin il y a de cela quelques courses, je pense, au Grand Prix d'Angleterre où il était parti aux alentours de la 10 ou 12e position. Les pilotes sont actuellement au niveau du 3e secteur, ça se passe bien pour tout le monde pour le moment. Et si l'on se reconcentre sur ce qui s'est passé lors de la qualification, rappelez-vous, il y avait des conditions humides lors de la Q3, ce qui signifie que les pilotes ont donc eu la liberté de choisir les gommes avec lesquelles ils vont s'élancer pour ce Grand Prix de Belgique. Et donc l'ensemble du top 10 a opté pour les gommes soft, puisque la stratégie actuellement la plus probable est un seul arrêt avec une première partie de la course courue en pneus soft et ensuite un deuxième run en pneus médium. Mais certains ont opté pour les super soft et dans ce cas-là, on serait sur une stratégie à deux arrêts avec un train de super soft pour débuter et ensuite deux relais en pneus soft. En tout cas, c'est ce qui semble se dégager après avoir consulté Paul Embry de chez Pirelli. On espère voir des stratégies différentes, des stratégies audacieuses. On espère surtout que la source ne sera pas le théâtre d'un carambolage comme ça a été le cas malheureusement. Ok, everything is fine on board. Good luck, guys. The start sequence will begin as soon as the grid is formed. Be ready with the clutch.
Et du côté de Vandoorne, on confirme que tout est en place. Nous allons donc pouvoir assister au départ du 13e Grand Prix de cette saison 2017 de Formule 1, avec en pole position Kimi Raikkonen sur la gauche de votre écran, à droite la Mercedes d'Hamilton. Les feux sont allumés et c'est parti pour le Grand Prix de Belgique, avec un départ difficile d'Esteban Ocon, peut-être déjà dépassé par Valtteri Bottas avant même la source. Attention, on arrive à deux de front. Oh, il y a une Manor à l'intérieur qui essaie de prendre tout le monde de revers. Il y a Massa qui est là, et l'une des Toro Rosso qui s'est complètement loupée. Le peloton déjà scindé en deux alors que l'on descend rapidement vers le Rédillon. Ça passe déjà devant à deux de front, et ici on a Max Verstappen qui a complètement loupé son départ. Il est côte à côte avec Ariento, il se touche, et Verstappen dans le mur. Attention, il revient en plein milieu de la piste, il est percuté par l'une des Sauber, je crois Palmer également est dans le mur. J'espère que Verstappen n'est pas blessé. En tout cas, la Red Bull est détruite, on va sans doute avoir droit à une safety car dans les prochaines secondes. Le peloton continue et une voiture arrêtée au poste 5. Effectivement, c'est Verstappen, la Red Bull, qui est déjà dehors, et pour l'instant pas de réaction de la direction de course. On reste sous régime de drapeau vert avec Wow, I just saw the crash on the big screen, is everybody okay? Ouais, et Van Dorn qui demande si tout le monde est ok, parce qu'il a dû voir le crash dans l'écran de la remontée des combes. En tout cas, ça a tapé très très fort, deux roues dans l'herbe pour le régional de l'étape qui s'est envolé de manière plutôt moyenne. Devant, on voit déjà que ça ralentit pas mal pour Esteban Ocon qui bloque Sébastien Vettel. On est à bord de la McLaren, du leader du championnat. Et Verstappen, vous ne le voyez pas, qui sort de sa voiture. Il semble être ok, le néerlandais, mais ça va sans doute décevoir bon nombre de fans dans les tribunes de ce Grand Prix. Il y a énormément de débris hors du rayon. Je ne sais pas pourquoi on ne neutralise pas la course. Attention, l'attaque de Sébastien Vettel sur Esteban Ocon. Oh, c'était chaud. On revient sur Alonso en tête qui poursuit Raikkonen qui a gardé l'avantage. Hamilton très chaud pour aller dépasser Ricciardo. Attention, parce qu'ils vont déjà revenir du côté du Rédillon. Il y a toujours la Sauber, je crois que c'est celle de Marcus Ericsson, oui, qui n'est pas passé au deuxième secteur. C'est Ericsson qui était donc arrêté sur la droite. Il y a une Manor qui revient en ralenti avec un pneu crevé. Et Raikkonen qui boucle donc en tête le premier tour de ce Grand Prix de Belgique. Vandoorne qui s'attaque. Attention, Esteban Ocon dans la descente. Le Français va sans doute essayer de résister, mais bien sagement, il se laisse dépasser. 8e place. Jeff, there is too much debris on top of Eau Rouge. We need to bring out the safety car to clean the track. It's too dangerous, Jeff. It's too dangerous. Right, there's a lot of carbon on the track. It's really, really dangerous. Et oui, il a raison, Vandoorne. Il y a énormément de morceaux en haut du radio. Alors qu'ici, Esteban Ocon va encore perdre une place au profit d'une des Toro Rosso. Alors, de qui il s'agit par contre? Voilà, c'est Daniil Gat, le Russe. Mais voilà, voiture de sécurité déployée. Eh bien, il était temps, mais on est quand même passé une fois pied à fond du côté de l'eau rouge. Eh bien, on espère que ça n'a pas amené trop de conflits. Plusieurs pilotes sont au box, vous le voyez. Derrière la safety car ressort actuellement Jordan Palmer, impliqué dans l'accident. Il lui a remonté des pneus soft, ça passe très proche. Des pneus super soft, pardon. Arianto qui arrive avec une voiture blessée également. L'Indonésien va recevoir un train de pneus super tendres. On ne change pas l'aileron, donc il n'y avait pas de dégâts à ce niveau-là. J'aimerais bien vous remontrer les images. Ce serait bien que la réalisation nous propose ce qui s'est passé, parce que là, il y a eu énormément de choses en très peu de temps. Et moi qui avais peur, je vous le disais, je vous le confessais. Oh là, alors que la safety car est arrêtée en attendant les leaders dans la descente, hors trajectoire fort heureusement. Et bien voilà, on va revoir le départ tout d'abord depuis la voiture du Français Ocon, 4e sur la grille aux côtés de Daniel Ricciardo. Un départ très difficile pour le Français, déjà débordé par Alonso. Et on va voir passer sur la droite Valtteri Bottas qui va définitivement l'enfermer. Oui, oui, les deux roues bloquées. Et là, malheureusement, ça n'est jamais bon. Mais bon, il a fait toujours mieux que Romain Grosjean à l'époque. Mais quel départ. Et l'attaque du Rédillon. Alors l'accident s'est passé derrière, on ne verra pas grand-chose. Mais voilà, devant, c'était Hamilton et Ricciardo qui étaient passés à deux de front dans le Rédillon. On est avec Marcus Ericsson qui lui a été par contre impliqué dans l'accident. Le pilote suédois qui partait très très loin, derrière les Manor notamment. On voit ici à gauche la Haas de Romain Grosjean, devant c'est Sergio Perez. Regardez ça, on est déjà évidemment toujours très serré, mais là il n'y avait absolument aucun contact au niveau de l'épingle de la source. Et c'est là que ça a dégénéré. La Manor qui tente la manœuvre, je crois que c'est Rio Arianto du coup. Et là Verstappen qui est à l'extérieur, ils s'emmènent tous les deux. Et là le retour, voilà, le retour de la voiture de Verstappen, très violente sortie, mais ça n'est pas lui alors qui est allé taper, c'est Pascal Wehrlein qui serait à ce moment-là arrêté dans le mur, puisque
On a vu la Sauber continuer, à moins qu'il s'arrêtait un peu plus loin, Ericsson, au moment où j'ai regardé les tableaux. C'est possible que ce soit, du coup... Oui, Pascal Verlaine, retour avec, donc voilà, le départ depuis la voiture de Verstappen, ça ce sera intéressant, on va pouvoir estimer ce qui s'est passé, surtout l'importance du choc. Regardez à droite la Manor qui se porte à la hauteur du Néerlandais. Ah, il n'y a pas grand chose à faire, hein, pour Verstappen. Et on a de la chance que ça a bien évolué au niveau de la sécurité. Jolyon Palmer également impliqué. Alors, on va revoir tout ce qui s'est passé, c'est formidable. On voit sur la gauche, voilà, Verstappen, le choc immense du Néerlandais. Et voilà, devant lui, c'est bien pour cela que Rio Oriento avait une crevaison sur sa voiture. Voilà, depuis la voiture de Marcus Ericsson maintenant. Ouais, voilà, il est touché. Et après, il part en tête à queue sous le nez de Nico Hülkenberg. Les deux Renault étaient prises là, alors que les manœuvres de nettoyage se terminent. Et bien voilà, la vue depuis la voiture de Rio Oriento, on aura tout vu. Et finalement, Rio Oriento qui se prend une Force India sur le coin de la voiture, c'est, je pense, Sergio Perez. 4 tours sous voiture de sécurité, Raikkonen, Ricciardo, Hamilton, Alonso, Bottas, c'est le top 5. La voiture rentre ce tour-ci, vous l'avez vu. Et on va repartir sous régime de drapeau vert dans le 6e tour de ce Grand Prix de Belgique sous le commandement du Finlandais qui a donc pu tirer profit de sa pole. Alors heureusement, il n'y a pas de blessés, tout le monde a pu revenir dans son box, hormis Verstappen qui a été emmené avec Pascal Wehrlein à l'antenne chirurgicale du circuit du côté du virage de Blanchimont. Et ça y est, nous sommes sous drapeau vert pour la première fois depuis le départ ici à Spa. Just stay on the first option, Jeff. Alors que l'on proposait à Van Dorn une nouvelle option. Attention, voiture arrêtée au poste numéro 25. De qui s'agit-il? Qui n'est pas passé sur nos écrans? Ah, il semblerait que ce soit une Renault qui soit stoppée. Alors, quant à vous dire laquelle, malheureusement, je ne peux pas vous le donner pour l'instant, cette information. Oui, c'est Jolyon Palmer qui est stoppé. Il y a de la fumée qui arrive devant notre cabine. Ça semble être un moteur. Ah, on revoit les images. C'est bien Palmer. Oui, voilà, casse moteur pour Jolyon Palmer. Ah, le Britannique n'a vraiment pas de chance en ce moment. Lui, dont le baquet est en sursis pour 2018. Certains évoquaient le retour de pilotes français. On a parlé de Jean-Éric Vergne, de Romain Grosjean pour ce baquet aux côtés de Nico Hülkenberg. Tout ceci reste des rumeurs, mais si on commence à voir un peu plus clair dans ce qui va se passer en 2018 avec les différentes rumeurs. Vous savez qu'on est toujours dans ce qu'on appelle la silly season, cette période de la saison où tout et n'importe quoi est un petit peu raconté. On a évoqué Van Dorn qui sera en discussion avec Mercedes et Ferrari puisque ça commence à se brouiller du côté des relations avec Éric Bouillet et Fernando Alonso, ce qui est légitime, mais Alonso n'est plus très heureux non plus chez McLaren, alors que là il est en train de montrer qu'il n'a quand même pas tant de rancune envers son équipe puisqu'il est en train de l'amener peut-être sur le podium sa machine. Attaque. Et vous le voyez, nouveau tour couvert avec derrière une attaque de Van Dorn, peut-être sur Valtteri Bottas. Alors que vous voyez aussi Raikkonen devant est en train de prendre un petit peu d'air face à Ricciardo qui retient Hamilton. On sent que le pilote britannique est un petit peu plus rapide que son adversaire direct. Retour sur le pilote local à l'attaque avec l'aspiration comme seul allié. Pas de DRS pour le moment. Bottas qui tente de fermer la porte devant ses chaussures aussi pour Alonso qui essaie d'attaquer Ricciardo dans le freinage des combes. Les deux McLaren à l'attaque. Et Van Dorn qui insiste et qui peut peut-être passer. Il est à l'extérieur maintenant. Et non. Oh, sur l'extérieur à Bruxelles, peut-être sur Bottas. S'il peut compléter ce dépassement, ce serait beau. Oh, il bloque les roues malheureusement. Et il reste à la hauteur du Finlandais. Bien joué. Le duel se poursuit jusque dans le speaker's corner sous les yeux attentifs de Vettel, prêt à saisir une occasion pour dépasser les deux machine en même temps. Vettel qui se porte à l'intérieur dans l'entrée de Pouhon sur Bottas. Ils se sont quasiment touchés. Magnifique duel entre les deux pilotes. Est-ce qu'on va avoir droit à une prise davantage du pilote allemand? Et Bottas qui se laisse dépasser finalement au jeu des enchaînements. Et bien voilà, il y a désormais une catégorie bien claire au championnat. Les Ferrari sont devant les... Ok, copy. Please, Jeff, could you give me an update on the race? P5, P5, 2.6 seconds. Bell not softs. The gap is less than a second. Bell not softs. It windows.
laps to win. Pit window opens in 3 laps. 16 laps to go. Et comme je vous le disais, donc Mercedes qui se fait dépasser par Ferrari. Alors que l'on annonce avant donc que le DRS est désormais disponible. Ça fait 2 tours que l'on est sous drapeau vert après le régime de safety car. Et on peut donc désormais de nouveau profiter de l'aileron arrière mobile. Tant que je vous parlais des transferts lors de cette silly season, eh bien pourquoi ne pas évoquer le cas de Manor qui, vous le savez, toujours en suspens jusque la fin de saison. La voiture de Sainz ici qui se porte à la hauteur d'une des Force India. Allez, deux Toro Rosso qui continuent de se battre. Hein. Elles ont réussi à éliminer au classement les Manor. Et maintenant, c'est aux Force India de souffrir. On rappelle qu'au classement général, l'équipe Toro Rosso est à 65 points. Autant que Manor qui souffre hein, depuis la mi-saison, en tout cas depuis le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Et ici, eh bien, c'est face aux Force India qui avaient fait une bonne qualification et qui, malheureusement, au fur et à mesure des tours, eh bien, rentre dans le rang que se battent les Toro Rosso, la petite équipe italienne qui grandit évidemment, qui pourrait perdre d'ailleurs l'un de ses pilotes l'année prochaine, puisque vous le savez, le fameux cycle des 2 ans de préparation avant d'être élu chez Red Bull fonctionne. Si pas, vous avez éventuellement une troisième chance, une troisième année, ou bien c'est la porte. C'est comme ça que ça se passe chez Helmut Marko. Et la solution pourrait être de mettre un certain Carlos Sainz dans une Red Bull. Ça, c'est ce qui se chuchote pour le moment, puisque le garçon impressionne depuis le début de saison. Attention ici à Alonso qui est très très proche d'emblanchiment de la Mercedes d'Hamilton. C'est pas ici pour une troisième place. Ouais, c'est parti pour Raikkonen bien devant, et on a vu Ricciardo derrière qui donc a également glissé hein, à la quatrième place. Donc les Red Bull qui souffrent tout comme les Force India. Nouveau tour couvert ici à Spa-Francorchamps sous le commandement de Raikkonen qui lui serait également eh bien, en difficulté chez Ferrari parce que ben, les résultats suivent, mais ça n'est pas suffisant aux yeux. What's the situation against Vettel? Ah, ce ne serait pas suffisant les résultats de Raikkonen aux yeux de Sergio Marchionne. Alors que du côté de Vandoorne, on disait qu'on cherchait à savoir quel était l'écart avec Vettel parce que devant, regardez ça, Ricardo cherche à revenir sur Hamilton, lui-même en train d'attaquer Alonso. Voilà, c'est absolument ensemble hein, depuis le retour sous régime de drapeau vert dans le 7e tour de ce Grand Prix de Belgique. On assiste à une belle bagarre à 3, dont pour l'instant le vainqueur s'appelle Fernando Alonso, qui a bien besoin de terminer devant son équipier. Alors effectivement, dans la lutte qu'il oppose à Vandoorne, il y a depuis quelques courses un avantage certain pris par l'Espagnol, qui grappille les nombreux points de retard qu'il a accumulé. Et eh bien, si Vandoorne ne parvient pas à gagner aujourd'hui, ce sera encore un coup de poker bien joué pour le pilote espagnol, qui se retrouverait de nouveau avec moins de points de retard. Il en a 14 pour l'instant d'unités de retard sur son équipier belge, mais eh bien, l'avantage se réduit au fur et à mesure des courses, et Vandoorne devrait réapprendre à gagner, si vous me passez l'expression, parce que depuis le début de l'été, eh bien, ça sent un peu le roussi pour Vandoorne, qui subit, qui fait beaucoup d'erreurs, beaucoup de fautes, notamment en essai libre et même en course. Donc on a vu le clash hein, entre les deux pilotes McLaren, ça avait été très chaud. Et maintenant, eh bien, on se retrouve avec Vandoorne qui d'ailleurs, je pense, va nous écouter dans son casque puisqu'il vient désormais de s'adjuger le meilleur tour en course de ce Grand Prix. Et il revient très très fort sur Ricciardo qui semble souffrir. Les trois devant semblent avoir du mal. Alonso, Hamilton, Ricciardo en tête sur votre image. Regardez le run de Vandoorne avec ce moteur Honda qui a une vitesse de pointe hallucinante. C'est clairement la plus grosse évolution. Et sur l'extérieur, ça passe. Et je crois qu'Hamilton également, voilà, va se débarrasser d'Alonso. Tout ceci effectué à l'aide du DRS. Eh oui, c'est indéniable que cette année, l'atout de la McLaren était bien son plus gros défaut en 2016, la vitesse de pointe. Le moteur édition 2017 fonctionne bien. Vandoorne qui bloque ses roues, il va sortir au-delà des limites de la piste. Est-ce que Ricciardo peut revenir avec Vettel? Non, il reste devant, mais ça ne s'est pas joué à grand-chose. Attention, alerte chez McLaren où les pneumatiques sont peut-être déjà en train de flancher. On devrait normalement rentrer aux alentours du 12 au 14e tour, donc il faut rester prudent si on tire un petit peu sur les gommes. Avec Vettel à la chasse de Ricciardo maintenant. Alors que l'on apprend que voilà, Verstappen est sorti du centre médical.
Il a été relâché par les médecins. Et visiblement, aucun souci pour le Néerlandais. Attention à l'attaque ici, les deux McLaren devant, c'est chaud. Et ici aussi, ah, les deux trios là qui nous font passer un bon moment. Oh, attention, il y a une voiture qui est allée fortement à l'intérieur. Je pense que c'est Alonso. Attention, parce que Van Dorn doit rentrer. Il fait l'intérieur. Hamilton à la chicane, il bloque ses roues. Oh là là. Oh, est-ce qu'il a pas raté l'entrée des boxes parce qu'on était près chez McLaren? Hamilton, lui, est rentré, tout comme Ricciardo et Vettel. C'est intéressant de constater que ça n'est pas les pilotes en tête qui rentrent les premiers. C'est souvent le cas. Et ici, malheureusement, on n'a pas jugé bon de faire rentrer les hommes de tête d'abord. Intéressante stratégie. Ça ressort également pour Ricciardo, qui lui, par contre, est le seul défendeur des couleurs de Red Bull jusqu'à la fin de ce Grand Prix. On est en pneu médium pour tout le monde. Grosjean ici également. Perez va également chausser et des pneus médium. Ça a été le cas aussi sur la Manor et la Toro Rosso. Attention, parce qu'il y a Rio Arianto qui a un bon run à la sortie pour dépasser. Voilà Romain Grosjean. Et Arianto, après sa crevaison, qui est désormais bien loin des points. Hein. Ces points qui manquent cruellement à Manor depuis quelques courses. Et regardez l'état d'usure des pneumatiques de Van Dorn. Quasiment 50% sur le train arrière. Usure assez uniforme comparé à ce qu'on avait connu du côté du Grand Prix et d'Allemagne. En parlant du Grand Prix d'Allemagne, l'un des pilotes allemands actuellement en piste en bagarre, c'est Vettel, qui lui a déjà observé son arrêt au stand. Il est chaussé de pneus neufs, les pneus médiums à bande blanche, et il semble bloqué derrière l'une des Williams. Je crois qu'il s'agit de Felipe Massa. Non, c'est Lance Stroll. Alors évidemment, avec le numéro 18 et 19 et les casques assez similaires au niveau des couleurs, c'est difficile de différencier les deux pilotes de l'équipe de Frank Williams. Mais ce que l'on sait, c'est qu'en pneus soft, cette machine est bien moins rapide que Vettel avec ses pneus médium neufs. Van Dorn, nouvel acte, et il va devoir rentrer ce tour-ci. Devant lui, c'est Raikkonen. Il est deuxième, hein, Van Dorn. Et ça y est, Raikkonen qui rentre, et Van Dorn également. Attention à ne pas dépasser cette limite de 80 km/h. Allez, Raikkonen qui va être le premier à être reçu par ses mécaniciens. Ferrari qui fait partie d'ailleurs des meilleures équipes au niveau des arrêts au box. Ça rentre également derrière pour Valtteri Bottas. Voilà. Et des médiums pour tout cela. Ici, c'est Carlos Sainz, si je ne dis pas de bêtises. Effectivement, l'Espagnol rentre. Également, la stratégie à un arrêt pour tout cela. Hein. C'est Perez également. Et tout cela sont sur une stratégie à un stop. Hein. On est parti en tendre, on repart en médium. Ici, nous avons Kevin Magnussen, le Danois, pris également dans les tourments du premier crash au niveau de l'eau rouge, mais qui reste sur sa stratégie à un arrêt. Il n'a pas dû stopper à l'issue des premiers tours et de la voiture de sécurité. Il repart d'ailleurs devant Marcus Ericsson, qui lui également avait été en tête à queue au haut de l'eau rouge. Jeff, I need an update on our tire situation. Is this tires are gonna be able to reach the end? Stoffel Vandoorne inquiet sur l'état de ses gommes, et on le serait à moins. Va-t-il réussir, comme tous ses petits camarades, à aller au bout avec ses pneus médium? Ici, on est avec Lance Stroll, toujours équipé en pneus tendres. Hein, lui, pas encore ravitaillé. Il sera parmi les derniers à rentrer au box. Ah, je pense non. Lance Stroll était parti en pneus super tendres, si je vérifie effectivement. Donc ça veut dire que le pilote canadien sera donc contraint à deux arrêts, puisqu'il est impossible d'amener ces gommes-là au bout. Et les deux Williams sont sur la même stratégie à deux stops. C'est une chose que l'on pourra reprocher longuement à l'équipe Williams, ne pas mettre ses œufs dans des paniers différents. Et là, pour le plaisir des yeux, l'attaque d'emblanchiment de la Ferrari. Et ce fut succinct. Alors, on retourne avec Alonso qui est au box maintenant seulement. Et on a Van Dorn qui va peut-être aller à la régulière chercher la tête du Grand Prix devant son public. Ça ferait plaisir à du monde. Il va se retrouver face à Raikkonen avec le DRS dans la montée du Kemmel. On sait que la Ferrari est très très bonne sur les vitesses de pointe. On a en quart image la ressortie des box d'Alonso. Attention, Van Dorn qui va attaquer peut-être Raikkonen dans le raidillon à l'aspiration. Ils se déboîtent l'un l'autre sur la gauche également. Les deux pilotes McLaren à l'attaque. Un petit peu plus loin derrière, on a donc Van Dorn et Alonso à l'attaque. Est-ce que Van Dorn peut compléter le dépassement? C'est fait. Il vire en tête au virage des courbes et la tribune devant moi se lève d'un coup d'un seul en applaudissant. Magnifique manœuvre derrière. Alonso parvient également
à se détacher de Lewis Hamilton. Les deux McLaren sur le podium et c'est à la régulière. On rappelle que les McLaren Boys étaient partis 5 et 10e sur la grille, ce qui donne une nouvelle fois preuve de la vitesse dont peut disposer cette MCL 32. Et Raikkonen derrière maintenant va devoir cravacher s'il veut reprendre la tête de ce Grand Prix qu'il a déjà de nombreuses fois gagné, 4 fois si ma mémoire est bonne. On aurait pu assister à une 5e victoire du Finlandais. Drapeau jaune. Jeff, you mean Valtteri, right? Drapeau jaune et c'est Valtteri Bottas qui est au ralenti. Et crevaison! Aïe aïe aïe, crevaison pour le pilote finlandais. Attention parce que derrière on a Stroll et Massa qui arrivent. Ah, Bottas qui est au ralenti. Oh, il ne peut pas passer Stroll, ils vont être ralentis et bloqués dans Blanchimont. Ah, c'est une catastrophe, il y a Vettel derrière et on voit Massa arriver, les Toro Rosso. Il y a Ricciardo aussi. Ah, quel dommage. Le temps perdu par ces voitures est absolument incroyable. Et c'est tout bénéfice pour les trois hommes de tête. Évidemment, Vandoorne, Raikkonen et Alonso qui, eux, sont passés. Tout comme, je pense, Lewis Hamilton. Ah oui, les quatre premiers sont là. Les quatre hommes de tête sont en 3 secondes. Rendez-vous compte, on a Vandoorne, Raikkonen, Alonso, Hamilton. Ils sont tous les quatre dans la même image. Superbe au stade de la mi-course passée. Nouvelle attaque dans le raidillon, Raikkonen peut-être. Ouf, Raikkonen qui était très proche. Le Finlandais peut-être au DRS, on est sur l'arceau de la Ferrari. Ça risque de ne pas suffire, non. Il n'y va pas cette fois-ci. Et on sait que ces trois-là ont besoin de gagner, hein, que ce soit Vandoorne face à Alonso, Raikkonen face à son patron et Hamilton face à son avenir. Ces trois-là doivent remporter ce Grand Prix absolument s'ils veulent avoir une chance de conserver leur baquet et une certaine bonne entente dans l'équipe. On sait qu'Alonso et Vandoorne, ça n'est plus la joie, ça n'est plus la bonne entente de l'année dernière où il fallait développer de voitures pour gagner. Maintenant qu'ils l'ont, eh bien, c'est chacun pour soi. Même si je me suis laissé dire qu'il y a toujours échange de données techniques entre les deux voitures pour le bien de l'équipe. C'était dans le contrat des deux pilotes depuis l'année dernière pour 3 ans. Il n'y a pas de pilote numéro 1 et numéro 2 attitré. D'ailleurs, vous avez en bas à droite de votre écran, c'est l'occasion de le rappeler, le petit insert qui vous indique que vous pouvez vous rendre dans la description sur le lien Stropol pour voter pour votre Driver of the Day, qui est pour vous pour l'instant le pilote de ce Grand Prix de Belgique. Ma faveur ira pour l'instant à Kimi Raikkonen qui a été très impressionnant avec une pole position acquise de manière autoritaire dans des conditions difficiles et maintenant une lutte pour la victoire face au McLaren. La Ferrari qui a été évidemment bien soumise à de nombreuses évolutions au fur et à mesure de l'année, mais celle-ci semble être la plus probante puisqu'elle ramène les rouges à la hauteur de leurs adversaires. Nous sommes au 15e des 22 tours de ce Grand Prix de Belgique. Vandoorne est en tête, mais Raikkonen qui a un très bon run à la sortie de la source. Est-ce que le Finlandais peut aller attaquer dans le radio? Ils vont se retrouver à 2 de front. Raikkonen à gauche, est-ce qu'il passe? Oui! Raikkonen qui s'empare de la tête du Grand Prix dans le radio. Magnifique! Magnifique dépassement du Finlandais. Il a le DRS, mais attention parce que la McLaren est très rapide. Alors qu'Hamilton est repassé également 3e. Est-ce que Vandoorne peut refaire les freins au comble? Non! Magnifique passe d'armes pour la tête du Grand Prix. Sans doute le dépassement du Grand Prix pour Raikkonen. Peut-être pas de la saison, mais celui-là, il était beau. On va le revoir d'ailleurs. Ce dépassement. Oh oui, Raikkonen très autoritaire qui place sa voiture. Magnifique. Et Vandoorne est battu. Il ne peut pas revenir, le pilote belge. Et voilà, Raikkonen qui reprend les rênes de ce Grand Prix de Belgique. Par contre, attention derrière parce qu'on a le trio infernal. Et ils sont chauds, hein. Ils sont très chauds. Retour à Blanchimont en direct avec Vandoorne toujours à la chasse de Raikkonen. Et derrière, on a Hamilton qui s'est donc intercalé désormais entre les deux McLaren. Ça bloque les roues au niveau de la chicane du bus stop. C'est très très chaud. Relance beaucoup plus facile pour la McLaren malgré les pneumatiques usées. Oh, Raikkonen qui se remet juste sous le nez de Vandoorne. Ces trois-là vont avoir le DRS dans la descente. Ça nous annonce un freinage des combes d'anthologie. Vandoorne va-t-il à son tour attaquer dans le raidillon? Ce serait beau pour le plaisir du nombreux public ici dans la descente. Vandoorne va-t-il reprendre la tête du Grand Prix de Belgique? Il est bien dans la montée de l'eau rouge. Il se touche avec Raikkonen à la sortie du raidillon. Ils sont côte à côte. Vandoorne a un meilleur moteur. Il reprend la tête.
Nouvel échange de position entre les deux pilotes. Magnifique lutte en tête et juste derrière, on n'oublie pas la McLaren d'Alonso qui a tenté de reprendre l'avantage. Voilà les quatre hommes de tête sur la même image. Les quatre mousquetaires de ce Grand Prix de Belgique, il faut les surveiller. Qui va remporter ce Grand Prix? Bien malin, qui peut nous le dire? Personnellement, je serais incapable de vous donner un éventuel avantage au niveau des pneumatiques, peut-être pour la voiture d'Alonso qui est sortie avec un tour de moins des box. Peut-être des pneus un petit peu plus frais, mais au-delà de ça, ces quatre pilotes et ces quatre voitures se valent pour le moment en piste au vu des conditions climatiques qui d'ailleurs sont toujours sèches. On annonce des nuages pour la fin de course, mais à ce stade-ci de la compétition, on peut dire que pour l'instant, eh bien, on ne sera pas embêté par la pluie, pas d'alerte non plus de la part de la direction de course. Retour à bord de la voiture du désormais leader avec 2 dixièmes d'avance. Ça n'est rien du tout sur Raikkonen. Raikkonen en 1.51.2, on est en 1.55.69 pour la voiture de tête. Qui ralentit d'ailleurs un petit peu là au passage à chicane. Et regardez la tribune à gauche qui est debout. Tout le monde se lève pour voir arriver ces quatre hommes de tête. Magnifique. Et on pensait qu'avec Van Doorn et Verstappen, on allait avoir une recrudescence du public. Et c'est le cas. Même si pour Verstappen, malheureusement, les fans néerlandais ont sans doute dû se rabattre sur Van Doorn. Parce que là, leur idole n'aura pas été plus loin que le radio à la fin du premier tour. Parlant du Raidion, le voici à nouveau attaqué par les leaders avec en caméra embarquée Hamilton qui revient fortement sur Raikkonen. Lui-même revient sur Van Doorn. Est-ce que Raikkonen peut attaquer? Attention, Hamilton qui touche. Kimi Raikkonen, il l'emmène presque en tête à queue. Et le Finlandais se place à l'intérieur. Est-ce qu'il peut prendre l'avantage? C'est fait. Attention, Alonso qui s'infiltre pour la troisième place. Les deux McLaren sont quasiment côte à côte dans le SD Combe. Attention, ils se touchent. Les deux McLaren sont en tête à queue. Van Doorn est dans le gravier. Hamilton est arrêté. Est-ce qu'il peut repartir? Oh, les deux McLaren qui se sont de nouveau touchés. Oh, Eric Boullier qui doit fumer sur le muret. Incroyable, et Raikkonen se retrouve de nouveau en tête, sans personne, à ses trousses. Alonso est deuxième, Hamilton troisième, Van Doorn quatrième. On va revoir ce qui s'est passé. Est-ce que Van Doorn a peut-être un peu trop fermé la porte, ou est-ce qu'Alonso a... Ouf, c'est difficile à dire, franchement. Mais Van Doorn ferme quand même assez régulièrement la porte de la sorte. Et cette fois-ci, ça n'est pas passé. C'est de nouveau face à son équipier. Et cela peut avoir des conséquences dramatiques. On voit Alonso repartir immédiatement sous le nez de la monoplace d'Hamilton. Van Doorn qui demande de vérifier son pneu arrière gauche. Il y a quelque chose d'étrange dans le comportement de sa McLaren. Ici, nous avons une autre lutte avec les deux As, les deux Manor et les deux... Force India, oui, à la régulière, voilà, ils sont ensemble. Je pensais que les Force India avaient un tour d'avance, mais pas encore. Eh bien, nouveau clash entre Alonso et Van Doorn. Mais où cela va-t-il se terminer? Pour l'instant, ça n'a jamais porté à conséquence. Les deux voitures ont pu continuer, mais ce sont des points importants qui ont été perdus au fur et à mesure de ces contacts. On se rappelle évidemment du Grand Prix d'Autriche qui avait été le théâtre d'un incroyable accident au départ. Et Van Doorn, là, va perdre gros au championnat. Un point sur la consommation de carburant pour le Belge, mais là, ça aurait été un moment crucial de ce Grand Prix de Belgique. Mais Van Doorn, je pense, peut dire au revoir à la victoire. Alors maintenant, il n'y a pas d'autre solution, c'est cravacher. Cravacher, tout comme cet homme, Valtteri Bottas, qu'on a un peu oublié. Et depuis sa crevaison, le Finlandais se retrouve en lutte ici avec Nico Hülkenberg. Un des énièmes pilotes pris dans l'accident au sommet du Raidion au départ. Attention, Van Doorn qui est très large, ça attaque évidemment avec les pneus... Médium, il peut se permettre d'attaquer. Ici, Perez en lutte avec Rio Arianto. Est-ce que l'Indonésien garde l'avantage? Oui. Donc on voit au premier plan Ricardo également perdu dans les abysses des classements hors de points. Et voyez le nombre public sur le bord de la piste. Des 22 tours de ce Grand Prix de Belgique, Van Doorn 4e, Hamilton 3e et Alonso 2e derrière Raikkonen. Je pense que là, Alonso, s'il inscrit les 18 points, il en reprendrait 6 à son principal rival d'équipier Van Doorn. Ça ferait un écart de 9 unités avant Monza et l'amélioration moteur, en tout cas l'amélioration du turbo. Chez McLaren, nouveau tour en tête pour un Raikkonen qui désormais a une piste beaucoup plus libre. Il peut gérer et sauf safety car ou catastrophe, je pense que Raikkonen a quasiment gagné ce Grand Prix
de Spa-Francorchamps. On confirme à Van Dorn qu'il n'y aura pas de changement de conditions météo. Retour sur la lutte avec les hommes de l'ombre, on va dire pour le moment. Et ce et diable de Sergio Pérez qui doit de nouveau faire face au, au Manor. C'est dommage pour Ocon également qui avait pris un départ moyen mais qui avait réalisé une superbe qualification évidemment due aux conditions climatiques. Mais on espère avoir des Grands Prix sous la pluie parce que ça pourrait permettre à Force India de se montrer un petit peu face aux autres équipes de milieu de peloton. Si c'est dans ces conditions que la voiture eh bien, est plus performante, pourquoi pas. Et on rappelle d'ailleurs que le patron de cette équipe, Vijay Mallya, est toujours interdit de voyage, de sortir du Royaume-Uni où il est pour l'instant... en détention provisoire suite à plusieurs enquêtes judiciaires en cours, alors que ses pilotes eux, à travers le monde défendent les couleurs de son équipe, couleurs qui ont changé d'ailleurs en cours de saison, on le rappelle, avec ce nouveau sponsor d'une marque d'eau bien connue qui est également arboré par les Mercedes en DTM. Je vous rappelle que vous pouvez voter pour votre driver of the day, dans la description il y a un lien Stropol avec les 22 acteurs de ce championnat du monde 2017. Et à vous de voter pour celui qui vous aura positivement ou négativement d'ailleurs impressionné. Un driver of the day peut être aussi élu pour les mauvaises raisons. Dans ce cas-là, on vous invitera à vous exprimer sur ces raisons dans les commentaires. En tout cas, Van Dorn qui a payé cher la sanction de vouloir protéger à tout prix sa position. Il était en tête, hein, il se battait avec Raikkonen, mais les pneumatiques n'ont pas suivi. Ricardo ici, brièvement à l'image, il est passé... juste devant Prianto, Perez, Grosjean, Ocon. Et les deux autres voitures Magnussen et... Jeff, there's a lot of clouds up at Eau Rouge. Are you sure we're not going to have any rain before the end of the race? Judicieuse remarque à la radio du pilote courtraisien avec, vous le voyez au-dessus... du raidillon de nombreux nuages. Attention parce qu'Hamilton est en train de revenir sur Van Dorn. Et la troisième marche qu'a récupéré il y a quelques instants le pilote belge pourra encore lui échapper. Ce serait un drame, hein, si on n'a pas Van Dorn sur le podium alors qu'il est en tête du championnat. Oh, il essaie à gauche, à droite. Hamilton qui est très pressant sur Van Dorn au point que ce dernier bloque ses roues. Donc pendant qu'il disait il y a beaucoup de nuages au-dessus du raidillon, va-t-on avoir de la pluie? On lui a confirmé que du côté de la station météo de McLaren, pas de gouttes de pluie prévues avant la fin du Grand Prix, mais il devrait pleuvoir quelques instants plus tard. On annonce de la pluie pour 14h57. De nouveau le blocage, c'est la grosse attaque pour Van Dorn. Alors si Van Dorn par contre parvient à récupérer la deuxième place à Alonso dans les moins de 3 tours qu'il reste à ce Grand Prix, ça pourrait changer également la donne au championnat, puisque là... il y aurait quasiment condition de victoire pour Van Dorn s'il veut garder la tête de ce dit championnat. Et surtout son statut de pilote numéro 1 à égalité, hein, avec Alonso. Vous l'avez vu, Magnussen, tout trou bloqué. Avec la Haas qui continue de souffrir au niveau des freins. Aussi toujours présent depuis le début de saison. Allez, Van Dorn, la grosse attaque. Mais je ne pense pas que ça sera suffisant pour aller rechercher les hommes de tête. Raikkonen et Alonso sont désormais bien placés. Par contre, on a un Hamilton qui est un peu plus loin. Qu'est-ce qui se passe là dans le raidillon? Chaud avec Hamilton juste à l'aspiration. Oh, il a tenté de passer. Et le DRS ne peut pas être une solution parce qu'on le rappelle, la McLaren est la seule voiture qui dispose d'une vitesse de pointe supérieure. Et donc, même en l'attaquant avec le DRS, c'est très difficile d'avoir l'avantage à moins d'y mettre une excellente sortie de virage. Et la preuve par l'exemple, une nouvelle fois, ici à la sortie de le rouge. Blocage de roue dans le virage de Bruxelles. Est-ce que Van Dorn peut rester devant? Oui, mais ça, attention, ça commence à être limite les manœuvres du Belge face au champion du monde britannique. Qui, bon, on a déjà vu d'autres, hein, il a de la bouteille. Et Lewis, ça n'est plus un débutant, ça fait cette année 10 ans qu'il a débuté en Formule 1. On s'en rappelle, c'était en 2007 au sein de l'équipe McLaren face à un Alonso peu consignant, allons-nous dire. C'était il y a déjà 10 ans.
le leader Kimi Raikkonen qui va compléter une nouvelle fois un tour de ce circuit de Spa. Il est dans les derniers kilomètres d'une éventuelle victoire ici qui le relancerait complètement au championnat. On rappelle que Raikkonen est en lutte avec ses petits camarades pour remonter. Il est pour l'instant 6e de ce classement à 108 unités. Derrière Hamilton et Vettel, 121 et 123 unités au classement. Par contre, là, Hamilton va reprendre la place de Vettel, ça c'est certain. Elle est dans le 22e et dernier tour, ils se sont touchés, Hamilton est sorti, Aurédion, qu'est-ce qui s'est passé? Lewis Hamilton est sorti, Aurédion, drapeau jaune. Oh, est-ce qu'il l'a seulement vu Hamilton à l'intérieur? Van Dorn qui touche Hamilton, deuxième contact de la course. Mais est-ce que seulement Van Dorn a vu Hamilton? Je ne pense pas, Hamilton peut continuer, attention il est arrêté sur le bord de piste, Vettel qui passe. Et Vettel qui va donc désormais prendre l'avantage au classement général face à Hamilton. Bottas meilleur tour évidemment avec des pneus neufs. Oh, il s'en passe des choses dans ces derniers tours ici au Grand Prix de Belgique. Drapeau vert, Hamilton n'est pas reparti pour le moment. Où va-t-il se classer? Perez qui attaque également. Ça y est, les Force India qui remontent en fin de relais. On sait qu'elles sont meilleures avec les pneus médiums et les pneus durs. Ocon également est passé devant. Et Esteban Gutiérrez juste derrière. En tout cas, Hamilton a été à l'intérieur face à Van Dorn. Mais sans vouloir trouver d'excuses à Van Dorn, je ne pense pas que le pilote belge ait vu son adversaire à l'intérieur. Parce que là, pour voir dans le rétroviseur à cet endroit-là, attaqué à l'intérieur au Redillon, c'était un petit peu risqué de la part d'Hamilton. Raikkonen qui va prendre pour la dernière fois la chicane du bus stop. Il va réaccélérer. Ce sera une nouvelle victoire du Finlandais. Victoire de Ferrari au Grand Prix de Belgique. C'est fait. Voilà Raikkonen qui s'impose devant Fernando Alonso. 25 points dans l'escarcelle du Finlandais. Bien joué. Alonso deuxième et le podium sera finalement complété de manière assez difficile par Van Dorn. Thanks, Jeff, and sorry for what happened with Fernando, but you know, I had enough space and I closed the door. It's my fault, I guess. We need to see the images of the contact and talk about it, but anyway, congratulations to everyone for giving me such a good car, and thanks for everyone coming at the circuit to watch this race. It was really important for me, so thanks all. Van Dorn, très conciliant et remercie ses fans présents dans les tribunes, ils étaient nombreux aujourd'hui. Par contre, le spectacle donné n'était peut-être pas à la hauteur des attentes du public. Voilà donc le podium de ce Grand Prix de Spa-Francorchamps avec Raikkonen sur la plus haute marche du podium, 7 Ferrari numéro 7 qui s'est donc imposé aujourd'hui. Le trophée pour Kimi qui aura souri quand même et là c'est le moment préféré du Finlandais. Le champagne, l'occasion pour moi de vous remercier d'avoir suivi ce Grand Prix de Belgique qui aura été donc très mouvementé. Vous voyez qu'avec Alonso et Van Dorn, bon allez ça va, on est plutôt souriant, même si je ne pense pas que ce soit de la com. Là ça a l'air plutôt sincère. On jette un coup d'œil au résultat de ce Grand Prix avec donc, vous le voyez, Raikkonen vainqueur devant Alonso et Van Dorn. La belle performance de Sergio Perez dans les points, tout comme Esteban Ocon. Romain Grosjean aura échoué, tout comme la manœuvre de Rio Arianto. Trois abandons, Palmer sur casse moteur, Pascal Wehrlein et Max Verstappen en haut du Redillon. Le classement général avec l'écart qui sépare Van Dorn de Fernando Alonso. Désormais, ce sont 11 unités entre le pilote belge et l'Espagnol. Derrière, ça remonte évidemment pour Perez qui glane pas mal de points face à Grosjean et surtout à Daniil Kvyat sur la Toro Rosso. Et au classement constructeur, McLaren reste incontestablement l'équipe à battre pour cette deuxième moitié de saison. Voilà donc pour ce Grand Prix de Belgique. Vous constatez les évolutions moteurs. Voilà ce qui attend McLaren pour le Grand Prix de Monza. Les lignes droites, la vitesse, l'aspiration et un turbo amélioré. Ce sera à suivre dans le 14e round de cette saison 2017 de Formule 1. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si ce Grand Prix vous a plu et excité, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se redonne rendez-vous également dans les commentaires et dans la description sur le lien du Stropol pour voter pour votre driver of the day. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous au Grand Prix de Monza et d'ici là, bon amusement en piste les amis. Salut !